Mais par exemple, les Israéliens sont venus totalement, oui. Mais par exemple, du point de vue conseil, il y a un événement qui passait pendant que M. Mandio a fait tout le cas, et puis nous, brusquement, Mandio est tombé et attaqué l'hôpital. Rentré dans la pharmacie et puis mettre du feu là-dedans. Est-ce que l'État a mené une enquête pour qu'on ait beaucoup de raisons pour Dieu d'appréhender, craser l'hôpital? C'est pas l'hôpital pour Dieu d'appréhender, non? C'est matériel que t'as récupéré pour qu'on ait fait propre hôpital par eux. Pharmacie, on est oublié. C'est pas boulé, pharmacie, au contraire, non? C'est si quand on fait pharmacie, allez, on prend le studio médical dans la pharmacie pour qu'on ait fait un studio médical par eux pour deux raisons. Premièrement, là, il y a eu blessé pour ne pas mener dans l'enceinte hospitalière. Et samedi, là, mon pilote va me connaître, je ne vais pas parler publiquement, parce que c'est trop grave. Deuxièmement, pour le mettre en structure de santé pour le monde dans Bidonville, côté de l'OE. Ça veut dire que il y a une campagne de guerre psychologique qui a fait la population, qui a montré la population à bonne terre. Question. Est-ce que Dr. Koumi met une enquête sur ça? Est-ce qu'il y a une information sur ça? Et s'il y a une information sur ça, qui analyse le fait sur stratégie de communication globale, M. Abri Le Bandi? Est-ce qu'il y a une enseignement sur pas bien? Sur pas bien information? Sur pas bien enseignement, sur pas bien enseignement, sur pas bien enseignement, donc, tout le monde est négligé, il y a un petit film qui est comme si. Il y a pris l'éternel, ou est-ce que ça? Et vous, le petit copain, pas faire des groupes autant pour lui dire, dis-moi, mon copain, passez sur le temps, passez sur le titre, et puis, on dit, ouais, il est allé dans le courant, élection, passez sécurité, là. Nous, pas qu'à faire payer à ça. OK. Là, pour le point, ça, et une minute, mais vraiment, mon tonnerre, au fait, je dis, OK, bon, ça dit, je dis encore, un peu le monde a demandé qui ça Blinken était venu faire en Haïti semaine dernière là. Ou même une bonne idée? Blinken était venu occuper un problème régional par rapport à menace qui gagne sur la paix BRICS là, qui a passé à travers le monde et contre que vous gagnez avec le Venezuela qui menace, pas oublier que le Venezuela, il y a plus grande source pétrolifère à travers le monde. Donc, côté avec les États-Unis, ils peuvent transférer tout dans le système BRICS là. Les États-Unis peuvent gagner de complications régionales sérieuses, lui passer pour assurer le soutien permanent à Haïti, qui a voté contre Venezuela, qui a proposition contre Venezuela, et c'est le même également dans le même bagage là, où est l'inné qui est une façon où est bon compte qui peut être entre Venezuela et République Dominicaine. De façon pour ne pas être trop des ordres d'un niveau américain, parce que Amérique centrale, Amérique et du Sud, déjà presque visée dans le bagage républicain, ils ont pris le marché et l'Asie, notre tentative Amérique centrale et Caraïbes, c'est ça, où le Blinken a été placé pour avoir des troupes de terre, d'après les bails. Oui, mais lui, il a besoin, il a besoin de passer en Haïti pour aller faire ça. Ça m'a dit, et on parlait, où est menacé la République? Il y a des menaces, il y a des mondes qui viennent assurer de fidélité. Et les mondes n'ont pas l'avant personnellement, il y a des gages les plans vis-à-vis de eux-mêmes, pas parler du point de vue individuel. Les bagages à la ville dirait, sous un mauvais comportement, eh bien, il y a des bagailles, par exemple, quand vous avez dérivé certaines personnes, et il y a des bagailles à faire une enquête sur le moyen, et il y a des bagailles qui sont obligées de passer sucré là-dedans. C'est une grosse bagaille qui a pris. Et si vous avez bien déplacé, il n'est pas déplacé pour venir régler des difficultés, des nègres qui ont pris par là, c'est 100 millions de gouttes, ben, il n'y a pas. Ok, mais, et à mon gouvernement, et avec secteur qui est impliqué dans la, et qui a fait la, et CPA, ça a mon sort de parler, il y parler. Oui, bien sûr, il parle avec tout le monde, il fait pour le parler. Et pour que ça y est, quand tu fait, soit dans l'ambassade là, ou bien là, qu'un ambassadeur? Bon, parce que, c'est pas avec Haïti, je devine parler avec des agents. Donc, c'est des patrons qui deviennent, ils ont convoqué des agents sur les gens qui travaillent pour eux. C'est pas bagaille, relation d'État à État qui va briser.
Parce que sénateur Leblanc, il dit président et parlement, c'est le premier monde qui connaît que l'IPAC a déplacé comme représentant de la présidence haïtienne pour l'aller, à moins que c'est un fait que dans les vitesse, et pour l'aller sur le territoire américain à discuter d'une question qui est en relation avec les États-Unis avec Haïti. Mais il n'a pas fait les États-Unis totalement. C'est par exemple, du point de vue conseil, il y a un événement qui passait pendant M. Mondieu a fait tout le caca, et puis nous, brusquement, Mondieu est tombé et attaqué l'hôpital. Rentrer dans la pharmacie et puis mettre du feu là-dedans. Est-ce que l'État a mené une enquête pour qu'on ait beaucoup de raisons que Mondieu a fait écraser l'hôpital? C'est pas l'hôpital que Mondieu a écrasé, non? C'est matériel que tu as récupéré pour qu'on ait fait propre hôpital par eux. Pharmacie, elle est boulée. Elle n'est pas boulée, pharmacie, au contraire. C'est le cas de la pharmacie, elle est boulée, 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 pour deux raisons. Premièrement, elle est boulée, elle est boulée, elle est boulée, elle est boulée, hospitalier. Et samedi, là, mon pilote va me connaître, je ne vais pas parler publiquement, parce que c'est trop grave. Deuxièmement, ou yon met ton structure de santé pour moun nan bidonville côté de yon. Ça veut dire que yon gen une campagne, yon gen psychologie qui a fait la population, ou yon montré la population après une série. Question. Est-ce que nous avons commis une enquête sur ça? Est-ce qu'il y a une information sur ça? Et s'il y a une information sur ça, qui analyse yon fait sur stratégie de communication globale, monsieur Abril et Bandi? Est-ce que vous avez un enseignement sous baguette? Sous baguette information. Sous baguette enseignement et sous baguette enseignement. Pas capable. Donc, tout baguette n'est pas fait, il y a un petit film qui est comme si. Il y a pour l'éternel, ou est-ce que ça, et vous, un petit copain, pas fait les deux photos pour vous dire, dites-moi, vous passez sur le temps, passez sur le titre, et vous dites, oui, il est à l'état courant, élection va se sécurité, là. Nous pas capable de payer ça. Ok. Pour notre point ça, et une minute, mais vraiment mon temps, mais au fait, je dis encore, et puis le monde a demandé qui ça Blinken était venu faire en Haïti semaine dernière là. Ou même une bonne idée? Blinken était venu occupé un problème régional par rapport à menace qui gagne sur l'affaire BRICS là. Qui a passé à travers le monde, et compte que vous avez avec le Venezuela, qui menace, pas oublier que le Venezuela, c'est une plus grande source pétrolifère à travers le monde. Donc, compte qu'il y a avec les États-Unis, qui va transférer tout, dans le système BRICS là, les États-Unis, par gain, de complications régionales sérieuses, lui passer pour assurer le soutien permanent à Haïti. Qui a voté contre Venezuela, qui a proposition contre Venezuela, et c'est de même également dans le même bagaille-là, où un plein qui est passé ou un bon compte, qui peut être entre Venezuela et la République dominicaine. De façon pour ne pas avoir trop désordre dans le niveau américain, parce que Amérique centrale, Amérique du Sud, déjà presque visée dans le bagaille africain, il y aura le marché, et l'Asie, dans le tentative Amérique centrale et Caraïbes, là, c'est ça, où le Blinken a été placé pour avoir des troupes de terre, d'après les bails, ambassadeurs. Oui, mais il a besoin, il a besoin de passer en Haïti pour aller faire ça. Ça m'a dit, et on parlait, où est menacé ta République? Il y a des menaces, il y a des mondes qui viennent assurer de fidélité. Et, là, on n'a pas l'avant. Personnellement, il y a des gages, les plans vis-à-vis de vous-même. Pas parler du point de vue individuel. Les bagages, la vie, dirait, sous vos mauvais comportements, eh bien, il y a des bagages, c'est pas beau, quand vous, ça a dérivé certaines personnes, et il y a des bagages, il y a plein d'enquêtes sur le moyen, et il y a des bagages qui sont obligés de passer sucré là-dedans. C'est un gros bagage qui a pris. Et sous les blagues qui sont déplacées, qui sont pas déplacées pour une réunion de facilité, il n'y a qu'à prendre par là, c'est 100 millions de gouttes, mais il va pas y contacter.
OK, mais et à mon gouvernement et avec secteur qui impliqué dans bail qui a fait là et CPA ça mon sont pas parlé, il parlait. Oui, bien sûr, il lui parle avec tout le monde, il fait pour le parler. Mm-hmm. Et pour qui ça y est quand tu y as fait, soit dans l'ambassade là ou bien là qu'un ambassadeur? Bon, parce que c'est pas avec Haïti, je devine parler avec des agents. Donc c'est des patrons qui devinent, ils ont convoqué des agents sur le lien qui travaillent pour eux. Mm-hmm. C'est pas avec une relation d'État à État qui va briser. Parce que, le sénateur Leblanc, il était président et parlement. C'est le premier monde qui connaît que l'IPAC a déplacé comme représentant de la présidente haïtienne pour l'aller, à moins que c'est un non-fait que d'un invité, et pour l'aller sur le territoire américain discuter d'une question qui est en relation avec les États-Unis avec Haïti. Mais pas une affaire, il va être mieux totalement. Mais par exemple, du point de vue conseil, il y a un événement qui passait pendant M. Mondieu a fait tout le placard, et puis nous, brusquement, Mondieu tombé et attaqué l'hôpital. Rentrer dans la pharmacie et puis mettre du feu là-dedans. Est-ce que l'État a mené une enquête pour qu'on ait beaucoup de raisons Mondieu a fait écraser l'hôpital? C'est pas l'hôpital Mondieu a écrasé, non? C'est matériel que tu as récupéré pour qu'on ait fait propre hôpital par où? Pharmacie, là, où bouillez, là. C'est pas bouillez, pharmacie, au contraire. C'est si, quand on fait pharmacie, allez, où prenez, là, où tu veux me dire, dans la pharmacie, où on capte, est-ce que tu veux dire, là, où, pour deux raisons. Premièrement, là, où il y a une blessée, pour ne pas mener dans l'ensemble hospitalier. Et samedi, là, bon pilote, là, il me connaît tout, bon, on va pas parler publiquement, parce que c'est trop grave. Deuxièmement, ou yon mettons structure de santé pour le monde dans Bidonville côté de l'OE. Ça veut dire que yon gagne une campagne de guerre psychologique qui a fait la population, qui a montré la population et après le question. Est-ce que le docteur Koumi met une enquête sur ça? Est-ce qu'il y a une information sur ça? Et s'il y a une information sur ça, qui analyse le fait sur stratégie de communication globale, monsieur Abril et Bandi? Est-ce que vous avez un enseignement si vous n'avez pas de formation? Si vous n'avez pas de enseignement, si vous n'avez pas de enseignement, vous n'avez pas de capacité. Donc, tout le monde est négligé, il y a un petit film qui est comme si. Il y a pris l'éternel, ou est-ce que ça, et vous, un petit copain, on va faire des groupes d'improviser, des doigts, on va passer sur le temps, passer sur le titre, et puis on dit, ouais, il est allé dans le courant, élection va se sécuriser, là. Nous va faire payer à ça. Ok. Là, pour le point ça, et une minute, mais vraiment, mon tonnerre, au fait, je dis, ok, bon, je dis encore, un peu le monde a demandé qui ça Blinken était venu faire en Haïti, semaine dernière, là. Ou même, une idée? Blinken était venu occuper un problème régional par rapport à menace qui gagne sur la paix BRICS, là. Qui a passé à travers le monde, et compte que vous avez avec le Venezuela, qui menace, c'est pas oublier que le Venezuela, c'est une plus grande source pétrolifère à travers le monde. Donc, compte qu'il y a avec les États-Unis, qui peuvent transférer tout, dans le système BRICS, là, les États-Unis peuvent gagner deux complications régionales sérieuses, lui passer pour assurer le soutien permanent à Haïti. Qui a voté contre Venezuela, qui a proposition contre Venezuela, et c'est le même également dans le même bagage là, où il est question de passer ou un bon compte qui peut être entre Venezuela et la République dominicaine. De façon pour ne pas être trop désordre dans le niveau américain, parce que Amérique centrale, Amérique et du Sud, déjà presque vidée dans le bagage républicain, ils ont le marché et l'agio. Notre tentative Amérique centrale et Caraïbes, là, c'est ça, où le Blinken a été placé pour faire des trucs de terre. Vous appelez l'ambassadeur. Oui, mais il y a besoin de passer en Haïti pour aller faire ça. Ça m'a dit, et on parlait, où est menacé ta République? Il y a des menaces, il y a des mondes qui viennent assurer de fidélité. Et les gens n'ont pas l'avant personnellement, il y a des gages de plan vis-à-vis de eux-mêmes. Pas parler du point de vue individuel.
Les bagailles la ville dirait, sous un mauvais comportement, eh bien, il y a des bagailles, il y a dérivé certaines personnes, et il y a des bagailles qui appellent dans le sur le moyen, et il y a des bagailles qui sont obligées de passer sucré là-dedans. C'est une grosse bagaille qui a pris. Mais si vous avez bien déplacé, qui n'est pas déplacé pour venir régler des difficultés, des nègres qui ont pris par là, 500 millions de gouttes, ben, il n'y a okay. Mais, et à mon gouvernement, et avec secteur qui impliqué dans la, et qu'a fait là, et CPS, à mon sort, t'es parlé, il parlait. Oui, bien sûr, il parle avec tout le monde, il fait pour le parler. Et pour qui ça, quand tu, il a fait, soit dans l'ambassade là, ou bien là, qu'un ambassadeur? Bon, parce que, c'est pas avec Haïti, il devine parler avec des agents. Donc, c'est des patrons qui deviennent, ils ont convoqué des agents sur les gens qui travaillent pour eux. C'est pas bagaille, relation d'État à État qui t'a privé. Parce que, le sénateur Leblanc, il dit président et parlement, c'est le premier monde qui connaît, que l'IPAC a déplacé comme représentant de la présidente haïtienne pour l'aller, à moins que c'est un fait que t'as invité, et pour l'aller sur le territoire américain à discuter d'une question qui est en relation à et les États-Unis avec Haïti.